Bonjour tout le monde. J'avoue que en ce moment je vous fais une vidéo face caméra pour vous dire c'est pas joyeux en ce moment, c'est très compliqué. Donc ma fille va bien, par contre c'est pas le souci. Ma fille va très très bien. Nous avons perdu vendredi notre vieux chien, notre vieux loup. Il est mort de vieillesse, de sa belle vie. Donc j'avoue que le moral n'y est pas du tout en ce moment, surtout avec les enfants. On avait deux chiens, donc il nous en reste toujours un. Mais c'est très très compliqué. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose, mais c'était pas quelque chose de génial, voilà, concrètement. Maintenant, voilà, faut rester fort. Il y a les enfants, il y a tout, donc voilà. Je me dis, la vie continue. Ma fille est toujours là et elle va très 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 bien, donc c'est le principal. Elle est retournée à l'école aujourd'hui, donc c'est que ça va bien. Voilà. Elle est en béquille, hein, bien sûr, mais tout va bien. Donc voilà. Sur ce, j'ai fait un album durant les vacances. Habituellement, j'aurais mis pas longtemps à le faire, mais là, il m'a mis près de 2 semaines à faire. Il est rapide, hein, mais j'avais. Voilà. Bref. Donc c'était très compliqué pour moi de faire quelque chose. Aussi bien après pour ma fille, puis après la perte de mon chien. Donc du coup, voilà. Vous le verrez sans doute sur. Gugus, c'est notre vieux chien. Il était là la dernière fois quand j'avais fait le méga haul. Il était venu me faire un petit coucou et c'est lui qu'on a perdu. Donc du coup, voilà. Bref, donc là, je vais vous lancer aujourd'hui la vidéo du mini-album que j'ai réalisé en forme de sac à main. Et après, normalement, je devrais recevoir aujourd'hui ou demain. J'ai commandé plein de dies chez AliExpress, donc normalement vous devrez les recevoir. Je devrais les recevoir aujourd'hui, donc je vous ferai la vidéo dans le courant de journée, puis je la mettrai mercredi. Donc voilà, on va reprendre tout doucement, mais sûrement, avec des petites vidéos, des choses comme ça. J'ai pas refait d'album depuis un petit moment, à part le micro-album que j'ai fait là. Je voudrais en faire un gros, mais j'ai pas trop l'envie là. Donc ça va être des petites choses. Voilà, bref, il faut que je range mon bureau aussi parce qu'il est en bordel. Donc voilà, enfin bref. Sur ce, on va passer sur mes mains et puis on va réattaquer les vidéos. À tout de suite. Voilà. Alors, il se présente donc sous forme de sac à main. Voilà, donc là j'ai fait simple en bijoux d'album. J'ai juste mis une plume, un petit cœur et puis ça. Voilà. Donc il s'ouvre. Alors je vais vous le montrer. Alors ici je l'ai laissé noir, c'était voulu. Et ici en foil. Donc, nous avons une pochette arrière. Voilà. Oui, il faut que je la mate celle-ci avec du papier rose. J'ai pas fini de la mater. Ah, j'ai oublié en fait. C'est un oubli parce que là je l'ai fait devant. Voilà. Donc j'ai mis souvenir inoubliable. Donc voilà. Alors là il y a des aimants bien évidemment. Hein. Voilà. Hop. Et on l'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hop, pour mettre un espace photo. Donc, je ne sais plus combien on peut mettre de photos. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 pages. 1, 2, 3. Non, il y a 4 pages. On va compter et elles sont toutes faites sur le même style, sur le même gabarit. Donc, alors, une photo. Donc, ici, on peut la. Alors c'est surtout un album fait pour les photos 13, 12, 9 par 13, voilà. Parce que 15 par 16, ça rentrera très justement, on va dire. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, non, je m'y suis mal prise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Nous avons un stop aussi ici. 8. 9, 10, 11, 12. Alors ici, j'ai fait ça, mais je ne les ai pas fait aux autres. J'ai juste fait là. Parce qu'en fait, je regrette, ça prend trop d'épaisseur. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les photos, c'est pas évident. Donc on est à 8 et 4, 12. Attendez, je recompte. Ouais, c'est ça, 12. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. 19,
et 20. 20 photos sur chaque page. C'est pas mal. Donc ça fait 2, 4, 6, 8. Ben, on peut mettre 80 photos sur le mini-album. Donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Ici, j'ai fait ça comme ça. Là aussi, 80 photos sans compter ici. Donc 80, 82, 83, 84 photos. 85 avec la dernière, la poche de derrière. Donc voilà. Donc je l'ai fait sous le même principe. Tout est fait sur le même principe. Voilà. Pareil ici. Donc là, vous voyez, je n'ai rien mis. Je n'ai rien mis, j'ai juste mis ici. Voilà. Ici. Tout est vraiment fait sur le même gabarit. Comme ça, tout est pareil. Ici, on peut venir mettre une micro-photo, hein, si on le souhaite aussi. Hein. Voilà. Alors ici, j'ai fait qu'on puisse mettre une photo comme ceci. Là. Voilà. Là aussi, dans l'angle. Voilà, on peut mettre une photo ici. Ici. Hop, voilà. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est pareil, c'est dans le même système. Hein. Les poches sont toutes identiques aussi. Hein. Donc, voilà. Un stop ici, un stop là. Ici. Donc, je l'ai fait le plus simple possible. Il fallait que je m'occupe l'esprit, donc j'ai fait ça, mais il m'a mis très longtemps quand même à réaliser. Pourtant, je fais quand même des albums assez rapidement. Et là, j'avoue que j'ai mis du temps quand même pour le faire. Mais bon, à un moment donné, hein, quand ça va pas, ça va pas. Ah oui, donc là ici, donc j'ai créé mon cartonnage. Et ici, j'ai mis des stops pour éviter que ça balance de trop, que ça aille à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, hein. Voilà. Un petit stop ici. Voilà. Là, non, là, ici, c'est pas un stop, c'est une pochette ici. Voilà. Et voilà mon mini album. Donc, sac à main, j'ai pris. L'idée m'est venue de. Ah, je me rappelle plus, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Lou Scrap, je crois. Elle avait fait un sac à main pochette pour cadeau. Et j'ai bien aimé le système. Et du coup, bah, moi, je l'ai réalisé dans le même style. Version donc mini-album. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je ne voulais pas qu'elle soit trop morose non plus. Donc voilà, donc mon sac à main est fini. Je suis hyper contente. Alors, il y a juste ici, petit bémol, je pense que je vais y mettre. Parce que, vous voyez, ça a cassé. Je pense que je vais y coller du tissu. Donc je vais mettre un tissu noir. Donc voilà. Hormis ça, tout est nickel. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.